spirituel de la confédération africaine de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Il est le responsable du ministère de la compassion des âmes. Il est le maréchal de la brigade anti-sorcier. J'ai l'honneur ce matin de vous présenter le prophète Joël Casso. Shalom. Merci de nous conduire de retour pour cette nuit. Merci de vous faire du bien à vos mains. Merci pour ta présence. Fait que nous fait déjà du bien. Merci de nous restaurer. Merci de nous délivrer. Merci de nous apporter la révélation de ta parole. Merci Seigneur notre Dieu. C'est dans le nom de Jésus que je prie. On dit Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dis encore quelqu'un que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Dis à quelqu'un que Dieu te bénisse. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? Voilà, pour ceux qui viennent d'arriver, que Dieu bénisse. Pour ceux qui viennent d'arriver, n'est-ce pas ce ministère? C'est le ministère de la compassion des âmes. Vous êtes ici au cabinet d'écoute. Ça veut dire qu'on prend le temps de vous écouter, le cabinet d'écoute et de délivrance. Nous avons aussi un grand centre, plus grand que celui d'ici, qui est dans un village à 40 km d'ici, à Zaroko. Amen. Amen. Ceux qui étaient là depuis en vent, mercredi, je me suis absenté parce que deux fois deux reprises, la télé m'a appelé parce que je vais faire des émissions de télé. Il fallait répondre rapidement. Nous sommes à l'aide de la communication. Gloire à Dieu, parce que cette année, je pense bien que la télévision me fait l'honneur de me recevoir sur le plateau. Il faut parler de ça parce que pour nous, la sorcellerie est le mal cruel de l'Afrique. Il faut communiquer, parler un peu de ça. Il faut parler de ça pour éclairer les gens. Nous sommes à l'aide de la communication. C'est pour ça que je me suis absenté, parce qu'il fallait boucler certains programmes et tout ça. Mais je vous annonce en même temps que demain, le lundi, nous aurons ici une grande conférence de presse, parce que c'est la journée internationale de lutte contre la délinquance et les crimes spirituels. Voilà, donc nous allons recevoir les journalistes qui viendront d'Abidjan, seront là dimanche soir. Nous allons les recevoir et mercredi, lundi matin à partir de 9h, nous allons commencer notre journée. Et cette journée-là, tout le monde en ruban, rouge en ruban. Parce que pour nous, il faudrait que l'ONU prenne ça en compte. Si la journée internationale des toilettes, si la journée internationale, maintenant on vient de voir la journée du Bouddha, c'est maintenant instauré au niveau de l'ONU. Il faudrait que l'ONU comprenne qu'il y a aussi des crimes qu'on appelle des crimes spirituels. Les gens meurent, les gens partout. Et il faudrait que l'ONU prenne en compte notre réalité africaine. Il y a ce qu'on appelle la réalité africaine. Il y a la sorcellerie sur le sol africain. Notre sol, notre continent est le berceau de l'humanité. Ça veut dire que tout est parti de l'Afrique. Malheureusement, nous sommes en retard. Parce que là où il y a la sorcellerie, c'est caractérisé par le retard. Et nous aimerons que notre Dieu s'élève. Et c'est cela qu'il faudrait que chacun comprenne. Nous ne devons pas nous mettre dans un système européen parce que nos lois sont basées sur les systèmes français. Voilà. Il faudrait que les gens tiennent compte de nos réalités. Nous avons des réalités, ce qu'on appelle la réalité africaine. Et notre présence ici, la société, il n'y a pas personne. Dans chaque famille, dans chaque maison, beaucoup sont ceux qui sont victimes de la société. Veuillez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Amen. C'est vous qui venez, c'est vous qui arrivez. C'est vous qui êtes camerounaise là, madame. Ça va, c'est la première fois qu'on se voit. Voilà. Elle est venue de la France, elle est camerounaise. C'est comme ça. Ici, je me laisse par moment. C'est maintenant que je la vois. Sinon, elle est venue avant que je n'ai pas d'Abidjan. Ça va? Et le séjour? Tu as eu des problèmes au doigt du pied? La jambe droite. Comment se passait? C'est dans l'avion? Oui, après. C'est juste à l'embarquement que madame s'est bloquée. Mais demain, on dit de ne pas venir en Côte d'Ivoire. Comment tu as découvert ce ministère? Bien, non, comment tu l'as découvert? Ah, par YouTube. Par le YouTube, hein. Comment? En cherchant comme ça. J'aime bien les témoignages. D'accord. En cherchant sur les petits problèmes que j'ai. Donc, c'est là que je suis tombée. Tu avais quel problème que tu as cherché? Marie-Esprit. Ah, d'accord. Donc. Ah, d'accord. Oui, vas-y. Marie-Esprit, et en cherchant comme ça,
tu as compris que mon enseignement ne dit pas Marie des nuits, d'accord? Oui, c'est exactement. Parce qu'avant, moi, j'appelais. Marie des nuits. Marie des nuits. Ah, maintenant, tu vous ai écouté. Marie-Esprit. Voilà. D'accord. Donc, c'est en cherchant comme ça. En fait, je cherchais un prêtre exorciste. Parce que j'avais déjà fait un. J'avais déjà fait venir un chez moi. Mm-hmm. Mais comme ça n'allait toujours pas, j'ai continué à chercher. Mm-hmm. Et je suis tombée sur vous par hasard. Par hasard. Et j'ai décidé qu'il manque tout le monde. Et nos vidéos t'ont fait du bien. Voilà. Et je suis là. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Jésus t'accordera la délivrance. Amen. Jésus t'accordera la délivrance. J'en profite en même temps pour demander à tous ceux qui veulent se baptiser, peuvent le faire déjà. Parce que dès aujourd'hui, nous aurons des séances de baptême. Chez nous, en tant que Pentecôte, on n'a pas besoin de coups de baptême. Ça ne se fait pas. Quand vous regardez dans la Bible, dans Matthieu 28, on dit baptisez-les et renseignez-les. Baptisez-les et renseignez-les. Ce n'est pas aussi mauvais d'avoir des coups de barre, de baptême avant d'être baptisé. Mais le principe biblique aimerait qu'on vous baptise avant de vous enseigner. Mais ce n'est pas aussi mauvais, de recevoir les trucs. Donc, ceux qui veulent être baptisés, vous pouvez déjà vous inscrire près des pasteurs. Parce que la sœur, moi, je l'ai baptisée aujourd'hui. Elle est une sœur musulmane. Elle a commencé à se convertir. Je t'ai donné même une Bible, c'est ça? Je lui ai offert une Bible. Et ma mère, elle me dit de l'enseigner. C'est maintenant beaucoup la Bible. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Je vais en profiter pour dire à tous ceux qui sont à Rabat, à Marrakech, tous ceux qui sont à Casa, je serai entre le 15, par la grâce de Dieu, le 15 janvier au Maroc. Je fais appel à toute la communauté de la diaspora, à tous ceux qui sont ivoiriens, qui résident au Maroc. Nous aurons, par la grâce de Dieu, déjà une rencontre. D'abord, ça va commencer à Casa, où je suis logé souvent, Casa Voyageur. Et après ça, on commencera à Rabat, les grandes séances. J'aurai une semaine sur le Maroc. Et après le Maroc, par la grâce de Dieu, je serai, en Allemagne. Mais merci pour le pasteur Kwasi. Parce que déjà, j'ai eu une grande réunion à Paris, dans le 13e. Une grande réunion par rapport à ma venue au niveau de la France. Tout en train de se mettre en place. Je remercie Michel, celui qui a pris l'initiative d'avoir une salle. Une grande salle où ils ont eu cette rencontre. À cause de la pluie, il y a eu beaucoup qui n'ont pas assisté. Mais juste après, ils ont essayé d'appeler Elisabeth Dobé pour avoir d'autres informations. Mais c'est pour dire que c'est confirmé. Ils m'ont même demandé le nom et les personnes avec lesquelles je suis en train de devais venir sur la France. Mais pour dire que c'est confirmé, cette année, j'aurai la grâce de Dieu de visiter, de vous rendre visite. Et on aura un mois sur Paris. Shalom. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus de Nazareth? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Dis-toi la puissance de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Dis-toi la puissance de Jésus. Amen. Tu dis Amen, tu assis. Amen. On parle du roi des rois. Amen. Oh, Jésus. Qui croit la puissance de Jésus? Amen. Ça va, les gens? Ouais, lui, il avait des difficultés, c'est ça? Ouh là là, ça va maintenant? Vas-y, je vois, sans les béquilles. Ouh là là, non? Non? Ok, allez-y. Est-ce que tu peux faire ça, non? Non? Allons-y. Tu pourrais marcher sans les béquilles? Non. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? C'était difficile. Vous qui n'avez pas vu au début, vous pouvez voir ça comme une comédie. Mais il ne marchait pas du tout. Du tout. Il ne pouvait même pas dormir. Il ne pouvait pas dormir, mais maintenant ça va. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Yeah, 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 yeah! Témoignages. J'ai vu des personnes qui étaient délivrées. Ceux qui veulent rendre les témoignages, il n'y a pas de problème. Vous pouvez les rendre après. Pendant cette série-là, il faudrait qu'il y ait les témoignages. Parce que ça construit la foi, ça fait du bien. J'ai vu des exorcistes, des gens délivrés de la sorcellerie.
que je voyais en train de danser. Et ça, c'est important pour nous. C'est important que les gens rendent témoignage de la puissance de Dieu. Parce que pour nous, les gens disent que l'entendre des sorciers, un sorcier ne change jamais. Ouh là là, c'est pas biblique. Dieu change le cœur d'un être humain. Jésus-Christ dit qu'il est venu pour ceux qui ne sont pas justes, plus qu'il est venu pour les pécheurs. Donc un sorcier peut changer. Si vous avez un sorcier, mangez d'âme, envoyez-le ici. Nous allons faire de lui quelqu'un désactivé, libéré. Amen. Amen. Alors, au lieu de le tuer, amenez-nous ce monsieur ou cette dame. Nous allons le désactiver, nous allons le libérer de toute cette présence satanique en lui, fait de lui quelqu'un utile au royaume de Dieu. Amen. Amen. Voilà. Permettons aux gens d'expérimenter la puissance de Dieu. Parce que par moments, ceux qui sont plus loin dans la sorcellerie, il y a des moments de remords. Mais comme ils sont dans une confrérie, il est difficile pour eux de faire un retour. Ils ne peuvent pas se confier à vous parce qu'ils se disent qu'en se confiant, vous ne pouvez pas les aider. C'est ça le problème, votre père. Ah, mais les sorciers ne parlent pas. Mais ici, ils parlent. Tu vois quoi? Tu ne peux pas les délivrer, mais il ne peut rien te dire. Amen. Amenons ces personnes de les tuer. Nous avons besoin d'eux, n'est-ce pas, pour faire avancer le royaume de Dieu. Amen. Qu'un sorcier est converti, il s'est converti, il devient puissant. Il devient donc efficace pour le royaume de Dieu. Amen. Donc, monsieur, tu auras l'occasion de rendre ton témoignage tout à l'heure, ok? C'est toi qui étais l'ancien sorcier parmi tous ces gens. C'est toi. Tu auras l'occasion de rendre ton témoignage pour montrer aux gens que Jésus-Christ peut délivrer. Nous n'avons pas peur d'eux. Après leur délivrance, nous mangeons avec eux, nous vivons avec eux. Ils ont mené une nouvelle vie en Jésus. Au lieu de dire ma maman est sorcière, je l'abandonne, je vais la laisser tomber, mon papa est sorcier, je laisse tomber. Ça a été débat, le sujet de beaucoup de débats tout récemment sur Abidjan. J'aurais dit Jésus apporte la vie, même si on pense qu'on doit tuer un sorcier, mais je vous parle de Jésus-Christ qui apporte la vie. Maintenant, si le sorcier ne va pas changer, la Bible déclare que le salaire du péché, c'est la mort. Moi, je connais toutes sortes de stratégies. Pour abattre quelqu'un, c'est la minute pour abattre ou tuer un sorcier. Mais je ne vous donne pas ces stratégies, non. Parce que pour moi, il faudra amener cette personne à croire en Jésus-Christ. Et si vous êtes en Jésus, aucun sorcier ne pourra contre vous. Amen. Ils ont toujours des complots contre moi, ça échoue. Et ça m'a toujours échoué. Parce que je sais celui en qui j'ai cru. Amen. Voilà. Non, moi, je sais en qui j'ai cru. Donc, ils feront tout, mais ne pourront rien contre moi. Et je suis toujours prêt à apporter la vie. Alléluia. Amen. Donc, permettez à Jésus-Christ de visiter certaines personnes. Permettez à Jésus-Christ de vous faire du bien. Amen. C'est pour cela que cette année, l'année prochaine, il y aura tellement de bonnes choses parce qu'on aura des séries d'enseignements. Des séries d'enseignements. Pour tuer sorcier, c'est la chose la plus facile d'ailleurs. C'est la chose la plus facile. Mais je ne donne pas ça comme arme. Moi, je vous parle de l'amour de Dieu. Voilà, je parle plus de l'amour de Dieu. Je vous parle plus de l'amour de Dieu, d'aimer les gens. Même si ton père est sorcier, c'est pas la peine de dire, comme les sorciers, on abandonne. Je n'ai jamais dit à quelqu'un, ton papa est sorcier, abandonnez vos villages. Je prie pour toi et fais de toi quelqu'un d'important pour que le sorcier fasse de toi. Si de coup, ce qui est en toi, ça va l'amener à la conversion. C'est parce qu'il ne sait pas qui tu représentes. Il ne sait même pas ce que tu es. Mais il s'en fiche. Il voit ta chair comme chougouya. Je vais te manger. Il veut vite te manger. Alléluia. Amen. Jésus, dis à quelqu'un, Jésus est Seigneur. Dis à quelqu'un. Amen. Donc, vous croyez que Jésus peut vous délivrer, madame? Amen. Vous croyez que Jésus peut vous délivrer? Oui. Ouais. Et si c'est un système prophétique, ah, quand il est venu de la... Oui, mais je n'ai pas l'occasion de se voir. Je crois que Dieu va vous délivrer. La foi qui vous emmène ici, le Seigneur fera quelque chose. Amen. Je démontre.